c'est parti, on est avec les collègues. On va aller bouffer un petit KFC et après moi je m'en vais pour le permis. Gros cul. Non mais je préfère, mais après il faut les bottes par contre. Il faut les grosses bottes. Non non, là-bas. On va là-bas directement. Ah tu te barres là? Ouais, nique sa mère. Oh c'est blindé. Oh si c'est trop blindé, moi je peux pas. Hein. Bon ben au final, pas le temps de manger. Il faut que je prenne l'autoroute. Oh, ça va être la merde. Près d'Arène, c'est par ici, allez go. Ah, après la nickel, pas là-bas, c'est ça. Bon, vous êtes les deux excentrés de la route, ce qui s'est passé. Ah j'arrête d'être sur le gros cube là, aïe. C'est par taxe, c'est parti. Ça va être trop bien. Allez. Ah, ça me rappelle mon permis là. Quand j'arrivais ici, j'avais peur de conduire sur la route. Et là mon pote, maintenant on bat les steaks. La route c'est mon bonheur. Ah putain. Yup. Eh bien le bonjour. On va se mettre côté gauche de la moto. Toujours côté béquille. En enfourche, on lève bien haut la jambe histoire de ne pas s'attraper dans la protection, impeccable. Et ouais, elle est basse. Si on a déjà fait de la moto ou qu'on n'en ait jamais fait, il faut qu'on parle de quelque chose d'important, quelque chose de primordial. L'installation au poste de conduite. Donc on va poser les fesses sur les motos. On va pouvoir poser les deux pieds sur le repose-pied en gardant la béquille. Ah. On garde la béquille. L'installation, elle est primordiale parce que quand on n'a jamais conduit, forcément, il faut qu'on s'installe correctement. Et quand on conduit déjà depuis plusieurs années, on prend des habitudes. On prend de mauvaises habitudes. Et ouais. Donc là, on est là pour casser les mauvaises habitudes. Une moto, deux points de contact au sol. On va essayer de s'avancer proche du réservoir. On sera pas trop loin. Voilà, on va pas se rapprocher non plus, sinon on va se faire mal. Ce qu'il faut, c'est être au plus proche du centre de gravité. Le centre de gravité, il est placé ici par convention. Après, il faut s'installer correctement quand même. Pas qu'on soit trop en avance sur le réservoir, sinon, comme je disais, on va se faire mal à l'entrejambe. Recule un petit peu, tu vois la place que tu as. Vas-y, recule encore. Voilà, là on est très mal installé. Et du coup, on va pas tenir la moto. Réavance-toi un petit peu. Impeccable. Le pied, la partie la plus large du pied sur le repose-pied, c'est la position de repos du pied. Ok, c'est bon. Quand le pied a rien à faire, le pied reste comme ça. J'avance la pointe de pied, je freine. Une fois que j'ai fini mon travail, je relâche ma commande de frein, mon pied revient. Partie la plus large du pied sur le repose-pied. Position de repos. D'accord. De l'autre côté, ici, on a. Secteur. Non, je vois pas. Le sélecteur de vitesse. J'enclenche vers le bas, j'ai la première. Pour aller chercher mon point mort, ma cheville se casse, descend la pointe de pied pour aller sous le sélecteur et pour, avec le gros orteil, relever le sélecteur. Ok. Première. Et du coup, pas un point mort. Première, point mort, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et sur le réservoir, on a une clé. On va pouvoir la tourner vers la droite. Vas-y. Le compteur s'initialise, l'aiguille va de gauche à droite et revient en position de départ, on est d'accord. Donc on va pouvoir utiliser le pouce droit pour pouvoir appuyer ici suffisamment longtemps pour pouvoir démarrer la moto. Vas-y, on est parti. Ok, ça va commencer à être cool. Dans un premier temps, l'exercice qu'on va faire, c'est un exercice de démarrer, s'arrêter. Là-bas, ouais. Voilà, on enlève les doigts du frein, t'en as plus besoin. Maintiens ton embrayage, tiens-le. 1, 2, 3. Plus ça va, plus t'es généreux, plus on peut relâcher notre embrayage. Très bien. On s'arrête à la ligne pointillée là-bas. Oh, j'ai pas de rétro. J'avais même pas remarqué que j'avais pas de rétro, frérot. On est reparti, on se réavance jusqu'à la prochaine ligne pointillée.
là demi-tour, guidon à fond vert. La droite. Ouais, chacun sa piste. Du coup, le pied gauche remonte, on est d'accord. Et on va faire un démarrage en tournant pour revenir là où on était. On est parti. Tu entends déjà accélérer, toi. Aïe. J'ai vu ton nom sur mon planning. J'ai vu ton nom, j'ai réfléchi deux secondes. Je fais, mais ça me dit quelque chose, ça me dit quelque chose. Et j'avais pas vu le prénom. Ah. Et quand j'ai vu le nom, j'ai fait, mais non. Putain, 125 gros cubes, ça fait déjà deux ans. Ouais. J'ai fait, mon dieu, le temps passe vite. Ah, c'est abusé, hein. Est-ce qu'on a besoin de rappeler que les yeux dirigent? Oui. Enfin, oui, c'était un oui. Les yeux dirigent, c'est 80% de ton travail ici. La position de conduite elle est bonne depuis tout à l'heure, il n'y a pas de souci. D'accord. Il faut c'est rester rigoureux là-dessus et penser, voilà. Oui, le pied. Ce qu'on d'accord. C'est ça, les pointes de pied qui sortent. Ouais. Tiens, je te laisse monter derrière. Ouais. Les yeux dirigent et c'est pas à moi de tourner le guidon, c'est mes yeux qui vont se placer et c'est mes appuis contre-appuis qui vont diriger ma moto à gauche et à droite. Ok. Je démarre, je pars, j'ai ma première. Ouais. Je lui donne de l'élan à ma moto. Ouais. Et je relâche complètement mes doigts du levier d'embrayage. Je place mes yeux à droite. Ok. Ma moto s'incline un peu vers la droite. Ouais. On tourne très large, hein. Oui. En même temps, on a de la place, on en profite. C'est ça. On va tout droit vers les camions là-bas. Ouais. Et on place nos yeux vers... La gauche. La gauche. Une fois qu'on a passé notre plot, mon pied gauche appuie. Ouais. Ça fait incliner ta moto. D'accord. On continue. On place les yeux devant, 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 devant et à droite. Et mon pied appuie. Mon genou ici, il serre. Ok. Ça va me faire incliner ma moto un peu plus, mais je vais avoir tendance à vouloir poser le pied par terre. Ouais. Pourquoi j'ai le pied qui est par terre? Parce qu'il y a trop de poids du côté où je tourne. Hop. Ça bouge pas. Hop. Comme ça, t'avances d'une place. Merci. C'est bon. Je peux remonter les... Ouais. Ça m'étonne. Et voilà notre écran. C'est bon. Ok, on relâche notre embrayage. On rapproche bien la main gauche de la poignée. Rapproche un petit peu ta main gauche de la poignée. Tu vois, elle était un peu loin. Ouais. Ta main, là. Voilà, impeccable. Place mes yeux, déjà. Ça dirige. Garde genoux serrés, c'est pas mal. Continue. On respire pendant notre exercice, on fait ça souple. Et on place nos yeux. Pied droit appuie, mon genou serre et l'épaule, elle est en contre-appui. Ok. Encore. On amène les yeux, ici. Voilà. Ok. Je le vois. Ouais. Et blanc, je te dis. Ok, continue. Et d'abord, les yeux, ici. Ok, allez, garde genoux serrés, on la tient cette moto. Ah ouais. Les yeux, ici. Ok. Allez, on respire, on détend les bras et on place nos yeux. Reste avec moi. Impeccable, on va pouvoir continuer l'exercice jusqu'à avoir envie de vomir alors. Allez. Ouais. Bonne idée, camarade. Ok. Allez, on continue comme ça. Ouais. Tac, tac, on dépasse. On appuie. Hop. Tac, tac. À la limite, j'appuie même pas en fait. Ah, si là j'appuie un peu, je le sens. Hop. Tac. Ah, j'aurais pu la redresser, mais je sais pas. Hop, tac, hop. Oh les, c'était presque. J'ai mordu un peu, ouais. Il faut bien gérer aussi quelque chose de primordial, quelque chose d'indispensable, c'est le regard. Sans ça, c'est mort. Et ouais. Si tu regardes par terre, tu vas par terre. Si tu regardes le plot, t'es figé sur le plot et tu y vas dessus. C'est pour ça que j'ai mis des cônes marron hein, aujourd'hui. Parce que vous allez dégommer les plots. Hein? Non. Enfin, j'espère pas. Ça? Allez, on est reparti. Tu me trouveras d'autres gants pour passer l'examen? Oui. Je vais en acheter. Parfait, impeccable. Ça presse pas là pour aujourd'hui. Je comprends. Ni pour la prochaine leçon, okay. Ni pour celle d'après. C'est l'examen. Par contre, l'examen, ouais, l'inspecteur, quand il va te dire, faites voir vos gants. Ouais. Là, il va te dire, monsieur, non. Ouais. Donc, le pied gauche au sol, le pied droit sur le frein, rapproche bien ta main de la commande. Tiens ton frein pour pouvoir aller chercher ton patinage correctement. Ça c'est bon. Nickel, les yeux devant, libère ton frein, aide-toi d'un pied,
remonte le pied, les yeux, et on s'en va. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Léger frein, les yeux placés. Ah ouais. On libère le frein, les yeux placés. Et frein lent, n'abuse pas. Refrein lent. Garde genoux serré. Tire pas l'embrayage, sinon on va désolidariser notre moteur. Ouais. Libère un peu ton frein, va chercher le plus propre. Ok. Et demi-tour, on refait. Allez, on est reparti. Allez, souple, les yeux devant. Dis, t'as une mauvaise habitude, toi, là. C'est ta main, là, ici, là. Ah, mais grand, c'est ça. C'est parce que le truc, il est... Je sais pas, moi. Vas-y, justifie-toi, t'as raison. Les yeux devant. Libère un peu le frein. Aide-toi d'un pied. Remonte le pied. Tes yeux. Continue. Léger frein. Pas trop, abuse pas. Allez, go. Ma main, elle pousse l'épaule en contre-appui. Les yeux là-bas. Refrain lent, 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 lent. Les yeux loin, loin. T'as vu qu'il y a des montagnes là-bas? Ah ouais, de ouf. La petite satellite. Allez, libère un peu le frein. Mais ça va, c'est mieux. Ah, il faut que j'arrive. On a déjà, regarde, hop, tac. Là. Allez. Oh là. Ça, ça va nous obliger à prendre la meilleure trajectoire. D'accord. C'est large. Ok. Tu l'as senti tout de suite, hein? Ouais. Sortir le pied, donc épaule. C'est ça. On n'abuse pas trop. Mmh. Après, c'est là où on gagne le plus de temps, quoi. Ah ouais, c'est bien, c'est cool. Ah, attention, guetta. Trop proche. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai fait du caca. Je vais replacer les petits plots. Allez. Ah là, ta mère. Hop. Hop là. Allez. On va en faire deux derniers et on va couper. C'est bon. Les yeux, hop, on braque. Tac, tac, on regarde le plot. Hop, on relâche tout. Hop. Tac. Et là, droit devant. Tac, boum, bam, bim, boum, bam, bam. Pouf, pif. Oui, mais c'était pour aller là. D'accord. Si t'es trop lent au dernier moment, tu vas faire ça. Ouais. Tu risques de pas avoir la meilleure trajectoire que tu veux. Ok. Le piqué risque de se retrouver là. Ouais. Soit tu le dégommes, soit t'en as peur et du coup. Je te cale. Je te cale et on tombe. Et l'ancien, j'ai fait combien? Non, on est bon là. Aïe. Allez. Vamos tout casa. Ah, un petit enjoliveur sur la route. Yay. Check. Le petit enjoliveur des familles. Ce petit fils de pute. Yay. Ah ouais, les gens, vous étiez pressés ou comment ça se passe? Tac. Au calme du caray.
Ah ouais, là c'est la bouchonnade sa mère. Aïe 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 aïe. Ah, get ça, c'est. Oh, c'est des ouf. Oh, c'est des baisers. Tout le monde veut passer. Mais perdre ce plafond. Salut. Schlim, foum, schlafoum. Merci. En tout cas, voilà ma petite première séance de moto. Tu vas où? Ah, ça fait du bien. Putain, là, sur un gros cube, là. Ouais, je mettrai épisode, hein. Épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Jusqu'à ce que j'ai le permis, mon pote. Et si je l'ai pas, ben, je le repasse. C'est un peu mal, hein. Hehehe